Synthèse chimique et sport, cette dernière partie du cours se fera sous forme d'activité à partir d'un texte publié par l'Union des industries chimiques sur l'ensemble des synthèses chimiques utilisées dans le sport, notamment dans la production de matériaux pour le kitesurf, le ski, les chaussures ainsi que les rollers. Vous remplirez le tableau suivant, dans lequel figure en première colonne le matériau utilisé, qui est généralement un polymère, qui est fabriqué à partir d'une molécule appelée monomère, hein, qui se répète identique à elle-même un grand nombre de fois. Donc, ces matériaux sont le nylon 6,6, le PVC, le polyuréthane, le polyéthylène et le polyamide 4,6. Donc, vous remplirez la première colonne, la seconde colonne correspondant à l'objet utilisant ce matériau. Vous chercherez sur Internet la formule chimique de ce polymère et quels sont les éléments chimiques entrant dans sa composition. Voici la réponse.